Eh bien, salut à tous, salut les amis, c'est Johnny et aujourd'hui on se retrouve pour le début du tant attendu Let's Play de Far Cry 4. Vous êtes très nombreux à me l'avoir réclamé, ça fait plusieurs fois qu'on m'envoie des messages en me demandant si je vais continuer les présentations d'armes sur Far Cry 4, si j'ai pensé à vous préparer un Let's Play complet sur le solo, si je vais continuer. Ce jeu vous a beaucoup plu et pour cause, même si, malgré ses grosses similitudes avec Far Cry 3, on y trouve quand même des trucs vachement sympas. Donc voilà, j'ai pris le temps d'y réfléchir un petit peu et j'ai décidé de vous préparer le let's play complet de Far Cry 4 que je vais partager avec vous. Et je vais essayer de vous présenter ça au mieux comme je l'ai déjà fait. Donc alors il faut savoir que le let's play au début je ne voulais pas le faire pour une simple et bonne raison, c'est que sur mon profil j'ai 40 heures de jeu et j'avais pas envie de les perdre en recommençant une nouvelle partie. Donc du coup j'ai trouvé une parade, enfin j'ai trouvé, on m'a soufflé une parade pour être précis, parce que c'est l'un de mes abonnés qui m'a donné l'idée. Excusez-moi. Donc vu que il m'a donné cette idée, en fait je vais jouer non pas sur mon compte à John X, mais liez votre compte à Uplay. Non. Si, non, si. Ouais, allez, vas-y. Donc, oui, donc je vais jouer non pas sur John X, comme d'habitude, mais je vais jouer sous le compte de ma femme, donc sous Vivi38416. Donc, si vous voyez l'appellation de téléchargement à Vivi38416, ne vous étonnez pas, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est. Bon écoutez, je vais pas le faire parce que sinon je vais y passer des plombes. Donc on va zapper, on va passer directement au solo. Donc oui, ce que je vous disais, c'est que du coup je vais jouer sous le pseudo de Vivi38416, donc sur le compte de ma femme, pour vous présenter le jeu du début. Donc du coup il y a des armes bonus que je n'aurai pas, forcément, puisque je ne suis pas connecté à Uplay, donc l'arbalète je ne l'aurai pas, le fusil à éléphant je ne pense pas que je pourrais l'avoir non plus. Mais c'est pas grave, on va quand même faire un petit gameplay sympa. Je vais vous faire un let's play complet sur ce jeu. Et donc, comme vous venez de le voir, je commence une nouvelle partie. Je me mets en facile puisque le but c'est de vous montrer les missions et pas de me prendre la tête. Et je joue hors ligne. Et on est parti. Donc je vous laisserai la cinématique d'intro. Le premier épisode, comme tous les débuts de let's play que je fais, fera environ 45 minutes normalement. Et après, j'essaierai de vous découper le solo en tranches de 30 minutes, comme d'habitude. Sauf si je craque mon slip comme sur Dying Light et puis que je vous fais des vidéos de 50 minutes à chaque fois. Il y a des fois où, je sais pas, j'ai envie de jouer, j'ai envie de filmer, et du coup, je vous mets des vidéos qui sont énormes et qui me mettent la nuit à charger, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Je vous laisse avec la présentation du solo. Monsieur Gale, c'est Chet Peterson de l'ambassade américaine à Patna. J'appelle suite à votre demande de visa touristique pour l'Inde avec une extension pour le Kirat. Nous pouvons uniquement accepter votre statut de citoyen américain sans document officiel prouvant votre nationalité kirati. Par ailleurs, je dois vous déconseiller d'envisager un séjour au Kirat. Nous n'avons aucune présence diplomatique au Kirat à cause de la guerre civile et des activités terroristes du Sentier d'Or. Concernant votre intention d'emporter les restes incinérés d'une certaine Ishwari Gale, vous devrez vous munir du passeport de la défunte, de l'original et d'une copie du certificat. Hey. Passeport. Laisse-moi parler, ok? Passport, jaldi, jaldi. Qu'est-ce qui se passe? पटना बॉस पटना पटना में क्या है परवा है तो बाद में क्या
Je choisis toujours très bien mes mots. Arrêtez. Tirez. Arrêtez. Tirez. Dis-moi, est-ce que tu entends la même chose ? Mais ça a dégénéré. Pardon, j'ai mal entendu. Tu disais ? Ça a dégénéré. Dégénéré ? Je déteste quand les choses dégénèrent. Oh ! Vous aviez un truc à faire, mais même ça, c'est trop demandé ! Pas comme ça. On t'a préparé une petite fête. Rien que pour toi. Mais je ne crois pas connaître ton nom. Qui est-ce ? C'est ton invité ? Le genre silencieux, ça me plaît bien. Je suis vraiment affreusement désolé pour tout ça. C'était une opération toute simple. Mais donne à bouffer aux singes, et ils se jetteront leur merde à la gueule. Oh, tu veux bien me tenir ça ? Une petite seconde, je voudrais faire une petite photo. On regarde bien l'objectif, et voilà. Génial. T'inquiète de rien, mon bonhomme. Ce sera bientôt oublié. Et nous allons vivre une très grande aventure. Parce que j'ai dégagé mon agenda pour toi. Ah, moi, on va tout déchirer! Should I stay or should I go? Voilà les amis, ainsi se signe notre première rencontre avec Pagan Min, cette espèce de psychopathe. Donc pour ceux qui ont joué au 3, on regrette quand même Vass, hein, je vais pas passer le jeu, passer tout le temps du let's play, pardon, à faire des recherches de points communs avec Far Cry 3, mais c'est vrai que la folie de Vass m'a manqué un petit peu dans ce Far Cry. Après, c'est vrai que le jeu en lui-même, c'est pas pour critiquer, hein, c'est un très bon jeu, moi j'ai tapé des bons kiffs dessus, mais le jeu en lui-même manque quand même cruellement de nouveautés, quoi. Enfin, on en reparlera plus en détail plus tard. Vraiment, je suis navré pour ce qui s'est passé tout à l'heure, tu vois. C'est plus ça que j'imaginais. Bien, alors, présentons-nous. LJ Gale, notre invité d'honneur. Paul, notre hôte bien-aimé. Le petit macaque, dont le nom m'échappe toujours. Et moi, bien sûr, Pagan Min. Tu ne te souviens pas de moi, alors ? Ta mère, elle ne te parlait jamais de moi, même en passant ? Bon, on changera ça. Paul, j'ai besoin de cash.
Combien il faut? Tout ce que t'as. Merci. Ah, voilà. Très bien. Et comme ça, en souriant. C'est vous? C'est moi. Je commence parfois à en douter. Quant à ta mère, est de son côté. Elle me comprenait. Elle me connaissait mieux que personne ne le fera jamais. Que de souvenirs. Je n'ai pas revu Ishwari depuis plus de 10 ans. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Les femmes savent faire ça. Elles peuvent te dire qu'elles t'aiment sur le moment, et c'est sincère, mais les hommes ne font pas ça, non? Non, les hommes ne peuvent aimer qu'avec du recul, une fois qu'il est trop tard. Donc, quand ta mère a décidé de fuir aux États-Unis en t'emmenant avec elle, je m'en suis amèrement mordu les doigts. Et j'ai ouvert les yeux. C'est pas moi. Non. C'est ce putain de sentier. Ces putains de terroristes. Ils dégueulassent tout. Même à table. On ne t'a jamais dit de ne pas téléphoner pendant le dîner? Voyons ça. Donne le téléphone. Alors les gars, on fouille même plus les invités. Ah, je suis avec Edge et Gale. La suite est mieux. À l'aide. Un SMS pour à l'aide. On n'écrit pas à l'aide, il faut le crier. Allez tiens, on va essayer ensemble. Si tu dois faire quelque chose, fais-le bien, c'est parti. Allez, crie à l'aide. Crie à l'aide. À l'aide. Oh, c'est minable. Non, crie à l'aide. À l'aide. Je veux de l'intention. À l'aide. À l'aide. Viens du diaphragme. À l'aide. Chut, 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 chut. Attends, écoute. Rien. Je crois que tes amis viendront pas t'aider, mon pauvre. Oh. Fais-lui dire ce qu'il sait. Les terroristes, hein? Bon. Allez, ne bouge pas, mange tes raviolis au crabe. Reste là, je reviens tout de suite. Yuma, il faut qu'on parle. Voilà, bon, et ben, c'est parti. Comme vous avez pu le voir, Monsieur Paganmin est un franc psychopathe, lui aussi. Donc, voilà, ça vous donne un petit avant-goût du jeu. Le fusil à l'éléphant sera disponible dans le comptoir quand vous arriverez au village de Banupur. Eh ben, écoutez les amis, donc ça éclaire un peu plus notre lanterne sur ce fameux fusil à éléphant dont on a tant parlé. Donc pour ma part, je dis bien pour ma part, le fusil à éléphant est débloqué de base dès le départ dans le jeu. Donc je peux pas vous en dire bien plus là-dessus pour l'instant. Il est vraiment débloqué de base pour moi. Voilà, c'est hop là, un petit coffre. Eh ben, on trouve des roupies. Donc, alors, on va passer par là. Qu'est-ce qu'il y a ici? On ne travaille pas trop. Je vous laisserai mettre sur pause hein, pour lire les documents que je ramasse. Moi, j'en ai lu une grande partie et franchement, après, j'ai fait comme tout le monde. J'ai débriefé et puis je les lisais même plus. Parce qu'il y en a tellement à trouver dans ce jeu. Guide du Kirat, ok. Donc pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, le seul regret que j'ai moi sur ce jeu par rapport au 3, c'est ces impressionnantes similitudes entre les deux quoi. Sur le 4 en fait, on a des graphismes HD et on a le grappin en plus. Et puis on dirait qu'ils ont vraiment pris le même jeu et puis que... sympathique, tiens. Vous pardonnerez mon manque de surprise hein, par contre, étant donné que j'ai déjà fini le jeu une fois, j'ai beaucoup moins de... Beaucoup moins de surprises qu'au début. Par contre, je vais vous passer cette scène. Je vous recommande de faire le jeu et puis d'écouter tout ce qui se dit parce que sinon je vais rester planté là au moins 10 minutes. Et c'est pas ça qui nous intéresse. Donc nous, on va continuer. On va partir directement par là. De toute façon, je peux pas aller le chercher. Hop là. Moi, c'est Sabal. Salut, Sabal. Je suis du Sentier d'Or. Le Sentier d'Or ? Des alliés. Je connaissais ton père. On est venu te sauver, fils de Mohan. Ah, et pour Darpan,
C'est quoi notre priorité? Faut qu'on arrive à te faire sortir d'ici, quel que soit le prix. Darpan comprendrait. Allez, viens avec moi. Ok, donc lui je le laisse crever et je te suis. Ça marche. Bon, et ben on va attaquer dans le vif du sujet. Merde, on est repéré. La porte, vite! Quand la porte s'ouvre, je veux que tu gardes la tête baissée et que tu fonces vers le camion. Cours aussi vite que tu peux. C'est compris? Oui, oui, je peux le faire. Un, deux... C'est pareil, c'est un petit détail aussi qui a son importance, et c'est un truc que je regrette dans beaucoup de FPS, c'est que le héros de Far Cry 4, donc KJ, que j'incarne, quand on lui parle, il répond. Et ça, ça fait foutrement du bien. Ça change d'avoir un héros qui parle plutôt que d'avoir un héros muet qui répond jamais. Hop là, allez, je suis dans le camion, faut y aller là par contre. Ouh, un olifant. Parti, on part dans la cambrousse. Hop là, c'est passé. Avec cette petite merde de scorpion, je déteste ce flingue, mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Ça c'est fait. Lui il est tombé. Lui il est tombé. Où il est l'autre? Ça c'est fait. Ouh! Aïe! What? À mon avis, même si je suis pas matinal, j'ai mal. Bon, alors, où est-ce que j'atterris, moi? Toi, t'es mort, je crois. Con. Donc, je récupère un téléphone, qui est tout pété, mais bon, c'est pas grave, ça peut servir. Ça a plus l'air d'une radio que d'un téléphone, d'ailleurs. Le chauffeur est mort. Et son kukiri. Okay, moi, je veux bien le prendre, le kukiri. Tu devrais voir une tour dans les environs. Je veux que tu ailles jusque-là. J'arrive pour la sécurité. Allez, c'est parti. On va pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet, les amis. Tu peux le faire, Edge. Hop là, une trousse de soins, ça je prends. Il y a un peu d'argent au sol. Son corps, je peux le fouiller. Non, je peux pas le fouiller. Qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai pas d'armes, j'ai que mon kukiri. Oh, oh! Barre de furtivité. Pour ceux qui voudront, encore une fois, vous mettrez sur pause. Hein. Jeter une pierre par là-bas. Rejoignez le clocher. Et ben on va rejoindre le clocher. Oh oui, bien fait de faire le tour, dis donc. Je me déplace beaucoup plus lentement que dans ma première partie, fatalement. Étant donné que je n'ai pas le déplacement accroupi rapide. Ce qui est bien dommage, parce que ça va me manquer, je le sens. Bon, au moins j'ai un AK maintenant. Lui, je vais pouvoir aller le chercher. Je suis sur ce côté. Allez. Deuxième élimination. Knock, knock. Hop, ça c'est fait. Et il reste le troisième qui est là-bas. Lui, il faut que j'aille le chercher. J'ai pas envie de tirer parce que sinon je vais alerter les copains. Et voilà, numéro 3. Hop, ça c'est fait. Hop là, allez, c'est parti. Je sais que c'est pas les seuls que je vais croiser, hein, la preuve. Regardez, il y en a encore un. Hop là, celui
Il est marqué. Faire distraction, je vais le faire avancer. D'ailleurs, tant que j'y suis, les distractions, très important. C'est des petites choses qui peuvent vous sauver la vie. Quand vous, en fait, bah, comme dans Far Cry 3, hein, pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui connaîtraient pas, je vous donne l'astuce. On a la possibilité, en fait, de jeter des pierres pour distraire les. On va passer sous l'eau, pas qu'ils me voient. On a donc la possibilité de jeter des pierres pour attirer les ennemis où on veut. Alors par contre, c'est à utiliser avec parcimonie parce que autant des fois ils nous voient pas du tout. Et autant des fois, en fait, ils sentent, ils flairent le piège et ils font demi-tour. Donc, il faut vraiment faire attention quand on les utilise et comment on les utilise surtout. Après, ça m'est pas arrivé souvent qu'ils fassent demi-tour, mais quand vous avez déjà été repéré et que vous jetez des pierres, ils avancent pas vers vous en fait. Ils font demi-tour et ils reculent dans l'autre sens comme s'ils cherchaient l'endroit d'où elle a été jetée. Donc juste ça à faire attention. Hop. Le premier dépeçage d'animal du jeu. Hop. Donc ça c'est fait. Donc maintenant j'ai des appâts. Donc alors l'appât, ça c'est encore autre chose. Donc c'est une possibilité qu'on vous offre dans le jeu, qui est une autre innovation par rapport à Far Cry 3. C'est que quand vous dépecez des animaux, vous récupérez ce qu'ils appellent les appâts. Donc les appâts, en fait, c'est un morceau de viande que vous pouvez jeter sur ou à côté de vos ennemis et qui appelle des prédateurs qui sont dans le coin. Donc si vous êtes dans une zone propice au loup tibétain ou dans une zone propice au tigre et ainsi de suite, eh ben, le prédateur va foncer sur l'appât et généralement, pas généralement, 100% du temps, les soldats, quand ils se font attaquer par un animal carnivore, eh ben, ils répliquent et du coup, ils attirent tous les carnivores sur eux. Voilà, pour la petite aparté, hop là, il y en a un deuxième ici, je vais le prendre. Parce que ça peut bien servir aussi. Hop là, les appâts. Au passage, j'ai récupéré des grenades et des cocktails. Ah bah regardez, on va essayer. Hop là, on va jeter un appât là au milieu et on va voir ce qui se passe. Donc l'appât est là, hein. Ici. Et voilà, donc là, ça a fait venir un ours, comme vous pouvez le voir. Donc ils attaquent l'ours, et voilà ce qui se passe. En général, il y en a toujours au moins un ou deux qui se font buter, surtout par un ours. Voilà, donc lui, je l'ai fait en pleine tête. Alors par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce qui va m'arriver là maintenant, à l'instant T, c'est que maintenant que vous avez appelé l'ours, eh ben, vous l'avez sur les bras, l'ours. Lui, je sais pas où il est ni comment il m'a vu. Ah, mais ils sont là-bas, d'accord. Bon. Ouais, l'ours, vous l'avez sur les bras, donc ça vous oblige à vous en débarrasser maintenant. Donc, parce que si vous approchez, lui, il va vous charger. Donc, moi, je vais essayer de rester par là. Je vais faire venir les deux abrutis qui sont au fond là. En attendant, je vais aller chercher la caisse. Je vois qu'il y a un diamant sur ma mini-carte, donc il doit y avoir une caisse quelque part sous l'eau. Voilà. Remonter, prendre un peu d'oxygène. Hop. Ah mais moi je veux pas l'échanger moi. Voilà, voilà, voilà. Donc là les deux abrutis ils sont là. Je sais pas si c'est l'ours qui se sont farcis ou... Non. Non, non, c'est l'ours qui les a fait. Je vais reculer, je vais passer sur les hauteurs. Ça aussi, très important, je vais vous expliquer au fur et à mesure, hein, de toute façon, vous inquiétez pas. On a la possibilité de monter sur des hauteurs. Ben, là, je sais pas si je vais pouvoir le faire.
sais pas si je vais pouvoir le faire, je pense pas. Je pense pas, je pense pas. Si, si, je peux passer par là. Donc on a la possibilité de monter sur des hauteurs et d'utiliser un appareil photo qu'il a trouvé, on sait pas trop où du coup. Je suis en train de me poser la question. Voilà. Donc il a une caméra sur lui, mais on sait pas d'où elle vient. Il devait l'avoir avec lui avant d'arriver, mais bon, vu les brasses qu'il a pris, j'aime autant vous dire que l'appareil photo, normalement, il aurait pas dû tenir longtemps. Et voilà. Donc la particularité de l'appareil photo, c'est que tout ce qui est à portée de tir et dans l'objectif, il le marque automatiquement. Ça vous permet quand même de suivre les ennemis même à travers les murs. Et c'est foutrement pratique. Et c'est foutrement pratique. Donc moi je vais descendre là. Hop, je vais me faire celui-là. Allez, tu me le donnes. Hop là, c'est bon, il me l'a donné. Il l'a pas fouillé du coup, un petit bug du jeu, mais c'est pas grave. Pas d'importance. Hop. Eux, ils sont là. Il y en a un troisième qui est en train de descendre. Bon, et bah écoutez, méthode sauvage. D'accord. Donc, c'est impossible que je le touche à cette distance. Allez, c'est pas grave. Là, lui je l'ai eu. Lui aussi. Ah, quand on est à portée de tir, ça fait plus mal hein, d'un coup. Bon alors comme dans tous les jeux, hein, je vous repréviens pas une fois de plus. Je passe beaucoup 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 de temps à looter. Et ça, c'est un truc que vous m'enlèverez jamais. Je passe énormément de temps à looter les cadavres, à chercher des trucs, à récupérer des munitions, et ainsi de suite. C'est. Je sais que c'est chiant pour vous, mais il n'y a que comme ça qu'on peut se faire un peu de sous et puis récupérer un max d'objets. Donc je le ferai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur tous mes let's play, je loot sans arrêt, sans arrêt. Et c'est comme ça et vous ne changerez pas, les amis. Allez, hop, on va grimper par là. Hop, allez, on va aller au point de rendez-vous. J'aurais pu la faire furtif avec le Kukiri, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie. Fais à la AK, ça va très bien. Tracer. Ah, d'ailleurs, c'est ça que j'ai oublié. Les options, c'est où? Options audio, musique, volume général, c'est pas ça. Si je mets interface, opacité, affichage. Mise à jour du guide, non. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas dans quoi c'est. Ah voilà, c'est là. Je vais vous mettre les sous-titres. Oula, attends. Wow. French. Moi, je veux du French. Là, français. Voilà. Comme ça, vous pourrez suivre ce qui se dit. Parce que du coup, vous devez pas en. Si je parle par-dessus, vous devez pas comprendre tout ce qui se raconte. J'y ai pas pensé avant, c'est con, mais c'est comme ça. Donc à partir de maintenant, vous aurez les sous-titres, les copains. Abattage propre. Alors ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est un truc par rapport à Far Cry 3, encore une petite innovation. Donc, vous avez la possibilité, comme là, de faire des abattages propres. Donc l'abattage propre, qu'est-ce que c'est? L'abattage propre, c'est quand vous réussissez à tuer un animal, soit au couteau. Donc que ce soit au Kukiri ou avec les couteaux de lancer, soit avec des arcs. Donc avec des armes qui n'abîment pas trop les peaux, tout simplement. Et qu'est-ce que ça apporte de nouveau, cet abattage propre? Et bien tout simplement la capacité de ramasser deux peaux sur un animal tué au lieu d'une seule, quand on fait un abattage à l'arme, tout simplement. Quand vous tuez un animal à l'arme, vous pouvez le dépecer, vous gagnez une peau. Quand vous faites un abattage propre avec un arc ou des couteaux, vous récupérez deux peaux par animal tué. Et ça, c'est un petit truc, certes, mais avec ça, je peux vous assurer qu'en chassant à l'arc, je me suis vraiment fait des couilles en or. Mais vraiment. Alors. Donc ça, c'est la petite innovation dont je vous ai parlé au début, le fameux grappin. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore, j'ai que la corde. Je vais le récupérer en arrivant en haut. Donc. On a la possibilité dans ce jeu, sur des rocailles ou sur des endroits où il y a
cette espèce de bardage là, de jeter le grappin et de grimper avec le grappin, ou le cas échéant de se balancer au bout du grappin ou de longer les flancs, enfin ainsi de suite. Et donc ça vous ouvre un petit peu plus de possibilités. Après, je regrette un peu le fait qu'il y en ait peu, parce que je trouve que, à part dans certaines zones où vraiment c'est ciblé et il y en a beaucoup pour qu'on en fasse plusieurs à la suite, on n'en trouve vraiment pas de partout dans le jeu et c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé en voir un peu plus, peut-être un peu moins localisé et plus étendu sur la map. Mais bon, c'est pas grave, c'est déjà une petite innovation bien sympathique et on va en profiter. Donc, nous voilà arrivés au clocher. Alors, les clochers, ça c'est encore autre chose. Jay, tu as réussi. Bien joué, fils de moi. Hop là, donc j'ai récupéré les munitions. Tu es le fils de Mohan Gale. Tu le sais peut-être pas, mais ce nom a beaucoup de poids aux pirates. Particulièrement pour le Sentier d'Or. Tu penses que ces militaires me cherchent encore? Bagan Min fera tout ce qu'il peut pour te récupérer. Merde, des hommes de Bagan ont suivi notre piste. Ils seront là dans peu de temps. Tiens, faut qu'on protège le clocher. Donc ça veut dire qu'il y a du monde qui va arriver. Il va falloir fraguer. Donc oui, alors les clochers, vous savez très bien ce que c'est, les amis, pour ceux qui ont joué au jeu, vous connaissez très bien les clochers. Alors, ce qu'il faut savoir sur les clochers, c'est que tôt ou tard, vous serez forcément obligé de grimper dans un clocher. Et vous serez obligé d'en faire, je sais plus combien il y en a, si c'est 18 ou 20, enfin il y en a un paquet. Donc tout simplement pour une simple et bonne raison, c'est que en débloquant les clochers, vous débloquez, putain décidément, j'ai du mal ce soir, en débloquant les clochers, vous débloquez, vous éclaircissez du moins la map. C'est-à-dire que votre map, au début, il y a des parties sombres, donc où vous ne pouvez pas aller, où vous n'avez pas de repères. Et en fait, en débloquant ces clochers, vous allez avoir accès donc aux parties sombres qui vont se déflouter et qui vont vous permettre de voir où vous allez et ce que vous chassez dans quelle zone surtout, parce que c'est surtout pour la chasse que c'est intéressant. Et du coup, donc en faisant ces clochers, vous débloquez donc la carte, mais en outre la carte, vous débloquez aussi des armes. Donc vous savez très bien que dans ce jeu, on peut acheter tout un tas d'armes, ou les trouver sur le terrain, mais en tout cas on peut les modifier. Donc ces armes, il faut absolument les acheter. Oh putain, avalanche! On se cache. Donc ces armes, il faut les acheter ou les modifier au comptoir, et le fait de débloquer des clochers, bah, ça vous les donne gratuitement en fait. C'est ça l'intérêt surtout des clochers. C'est que du coup vos armes, vous ne les payez pas. Et au fur et à mesure que vous débloquez les clochers, il vous débloque soit des packages d'armes nouveaux que vous n'aviez pas auparavant, soit des armes payantes que du coup vous ne paierez plus, qui deviendront gratuites. Donc il faut vraiment aller les chercher ces clochers. Après, c'est pas toujours évident parce que pour aller chercher les clochers, c'est souvent de l'escalade. Et sur les derniers, il y a toujours un ou deux mecs qui tournent autour. Donc faut quand même être prudent. Soit dit en passant, l'avalanche est vachement bien foutue. Et prologue terminé, voilà, donc on est arrivé au bout du prologue tranquillement, ça s'est très bien passé les amis, c'était facile, je me suis pas spécialement planqué, donc ça s'est très très bien passé. Voilà les copains, je suis à 35 minutes de vidéo, donc en 10 minutes je vais pas avoir le temps de vous refaire une autre mission, je vais voir ce qui vient après, je vais peut-être vous laisser là et on continuera ensemble pour la prochaine, c'était la toute première, et puis voilà quoi. Voilà, je vais vous laisser la cinématique et on recommencera à l'intérieur du village tout à l'heure. Je vous laisse les dialogues, je reviens tout de Si suite. loin, je voulais savoir pourquoi. T'as de la chance. On était dans le coin quand on a reçu le message de Darpan. Bon. Voilà. Bienvenue à Banapur, foyer du Sentier d'Or. Qui est-ce? Où est Darpan? Il s'en est pas sorti. Je te présente Edge Gale, le fils de Mohan. Si je comprends bien, Darpan est mort, hein? Et tu me ramènes ça? Eh, hey, j'ai rien à voir dans toutes vos histoires, d'accord? Je veux juste aller à Lakshmana. On est au beau milieu d'une guerre civile. On n'a pas le temps d'aider les touristes. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je le laisse là-bas?
Désolé, mon frère. Amita peut être susceptible, je vais lui parler. Et pour Lakshmana, on dirait le nom d'un temple ou d'un sanctuaire. Mais dans ce cas-là, ce serait au nord. Le nord est en territoire ennemi. On ne peut pas t'y emmener, pas encore. Sors, respire. Reviens me voir quand tu seras prêt, hein? Voilà les copains, et ben vous venez de faire la connaissance d'Amita. C'est Amita, c'est comment vous expliquer? Donc Amita, c'est en gros la deuxième chef du village. C'est une grosse connasse, il faut le savoir. C'est que depuis le début du jeu, elle peut pas vous sentir, et je vais pas vous dire jusqu'à la fin c'est comme ça, mais en tout cas c'est tendu vraiment tout le long du jeu avec elle. C'est vraiment elle se demande pourquoi on vous a sauvé et elle a pas vraiment envie de vous aider. Mais bon, qu'à cela ne tienne, hein, de toute façon, on fera notre bout de chemin sans elle. Et voilà, donc moi, je vais m'arrêter là, de toute façon, et on verra la suite au prochain épisode. Allez, poutou poutou les copains, salut.